Coucou les tricotines et les tricotins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve à côté de mon stock de pelotes. Alors, je suis très contente, d'un côté oui et d'un côté non, parce que mon stock se vide. Voilà, on peut peut-être apercevoir le fond, un petit peu. C'est très bien, parce que bah, du coup, j'avance dans mes ouvrages, je fais pas mal de créations, et bah, c'est pas des pelotes qui sont en attente. Mais de notre côté, bah, qui dit pas trop de pelotes, qui dit va falloir que je fasse de nouveaux achats pour pouvoir faire de nouvelles créations. J'en suis pas encore là, j'ai encore pas mal de pelotes, mon stock principal est ici, mais j'en ai d'autres aussi dans des cartons, parce que, ben oui, il y a une abonnée qui m'a envoyé un carton de pelotes, mais le colis blindé, donc va falloir que je tricote tout ça, j'ai quelques idées, je sais que parmi vous, vous m'écrivez de temps en temps des commentaires en me demandant si je peux, oui ou non, faire certaines choses au tricot, certaines je peux le faire, donc ben, il faut le temps que je puisse terminer mes créations pour pouvoir le réaliser, et puis d'autres, comme des pulls, franchement, pulls enfant, je galère, ou même depuis l'adulte tout simplement, parce qu'en fait j'ai réalisé un pull pour moi vraiment large et ample, mais j'ai suivi un tuto, et un pull pour Fred que j'ai également suivi un tuto. Pour faire bref, je ne sais pas faire de pull sans tuto. Le plus dur, c'est surtout au niveau de l'encolure et des émanchures. Émanchures, ouais, je crois que ça se dit comme ça. Je suis pas du tout prête à m'y lancer. J'aurais voulu me faire une grosse veste en laine avec des torsades et tout, des poches, une capuche, mais je m'en sens pas du tout capable. C'est vrai que ça va être une énorme pièce à faire. Beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de pelotes. Beaucoup d'argent, donc je pense que ce projet là attendra pas mal de temps. Je sais pas si vous avez déjà réalisé des grosses pièces comme ça, honnêtement moi ça me fait un peu peur si je ne suis pas tuto, donc faut vraiment que je suis le tuto. Et là où j'ai un peu peur quand je suis le tuto, c'est vraiment au niveau du col et des émanchures. J'ai déjà galéré avec les miens, où j'ai bidouillé un petit peu. Bon, c'est vrai que j'ai gagné de l'expérience hein, depuis toutes ces années. Mais bon, ça reste quand même un challenge pour moi, tout ce qui est col et les émanchures. Les émanchures. Bon, en tout cas, il y aura quand même des bons tutos qui vont arriver, c'est sûr, de bons... tuto, quand je parle tuto, ouais, ça veut tout dire. Ça veut dire tricot, ça veut dire crochet, ça veut dire autre. J'adore créer, donc c'est vrai que si je peux tâtonner un peu comme j'avais fait dans les bougies, où j'ai vraiment kiffé en fait de faire des bougies, pourquoi pas? J'en ferai peut-être d'autres et puis je tâterai d'autres terrains de création, histoire de voir ce que ça vaut. Peut-être même du dessin. J'aime beaucoup le dessin, j'aime beaucoup dessiner. Toujours dans ce style de vidéo, là, des petites vidéos très courtes, histoire de se retrouver un petit peu et de passer un bon moment. Bon, mais sur ce, je vous laisse. La vidéo se termine. On se retrouve très bien dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt. Bye bye.